When you walk home through the park, you know you're never alone. All the birds in the trees, where they're singing your name. Well, I got something on my mind that reminds me of you. All the things that you said, En fait, le métier de chef de projet, donc il y a projet dedans, c'est quand même de prendre un projet, de récupérer un projet ou un embryon de projet, de le développer, de le porter, que ce projet sorte, puisse émerger. En gros, je suis chef d'orchestre et je fais en sorte que les gens se comprennent, sachant qu'ils ne parlent pas les mêmes langues entre directions. Les principaux interlocuteurs sur les projets, donc il y a les directions techniques qui font le tarif et qui font le produit. J'ai le juridique pour savoir ce qu'on peut faire, pas faire, écrire, pas écrire. On a le marketing. Après, il y a les côtés informatiques qui fait le lien avec ceux qui développent. Donc, c'est un peu une MOA, une maîtrise d'ouvrage. Après, on a les commerciaux qui sont chargés de justement distribuer le produit. On travaille vraiment avec la plupart des métiers d'Alliance France. On doit justement faire converger les intérêts de tout le monde par rapport au projet. Et du coup, comprendre les intérêts et les problématiques de chacun. C'est des postes qui demandent de savoir gérer effectivement le stress, la pression. Ça s'apprend. C'est aussi facteur d'adrénaline parce qu'on porte le projet, c'est notre nom aussi qui aussi ressort sur le projet et on veut que le projet soit bien ficelé. On a des managers, on a une hiérarchie et quand on a un problème, on remonte et ils sont là. On n'est jamais vraiment tout seul parce qu'il y a une structure projet qui se crée. On va avoir des interlocuteurs, justement des experts de chaque direction qui vont nous aider justement à pousser le projet le plus loin possible. À force d'être dans ces projets-là où on est en contact avec tout le monde, on accumule beaucoup d'infos, on apprend plein de trucs et c'est vrai qu'après on devient super transverse sur les différents métiers sur lesquels on a piloté. On se nourrit et on s'enrichit par rapport au contact des autres. On s'enrichit de leur expérience, de leur expertise. On s'enrichit aussi personnellement parce que déjà c'est une aventure entre guillemets humaine. Il faut de l'écoute et il faut observer les gens pour voir comment ils réagissent. Ce job est un bon tremplin pour la suite parce que ça nous permet justement de voir le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise globale en général. On rencontre toutes les directions, on apprend tous les métiers, du coup on rencontre plein de monde, on développe un réseau énorme. Pour les carrières, pour la suite, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, si ça se passe bien, c'est un énorme tremplin. Après, c'est un challenge. Il y a tout ce qu'il faut en interne pour évoluer. C'est ça qui est sympa aussi dans un grand groupe. Le poste de chef de projet va embarquer tout ça. Je pense que c'est ce qui m'anime justement pour venir tous les matins et me dire que voilà, aujourd'hui je suis chef de projet, je suis content d'être chef de projet et pour l'instant je reste chef de projet.